Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode coup de cœur dédié à une équipe de développement qui n'est plus active à l'heure actuelle. De Psylosif, on va parler. Et je suis pour ça, je suis en compagnie de l'ami James King 360 TV. Comment ça va, mon pote? Eh ben ça va super bien, mon poteau. Ouais. Franchement, ça fait plaisir de discuter Mega Drive comme à l'accoutumée, développeur Sega et puis tout ce qui se rapporte à la bécane 16 bits préférée. Voilà, et pour des développeurs qui tu apprécies aussi énormément. Ah, Psygnosis, alors c'est une grande, grande boîte. Franchement, c'est un des meilleurs studios de développement en activité. Moi, je viens de découvrir un peu leur histoire. Alors, Psygnosis, c'est quoi? C'est un studio de développement qui a été basé à Liverpool, qui a été créé en 1984 par. Par Ian Etherington et Jonathan Ellis, donc les deux fondateurs, en 1984 à Liverpool. Ils ont commencé par développer sur, alors j'ai vu Amiga ST, du Commodore, etc. Ouais, donc une super boîte de développement avec vraiment des graphismes de génie. Ils ont commencé par le micro-ordinateur. Ouais, plus ou moins ça. Et après, pour se pencher après sur les consoles de salon, quoi. Exactement. Voilà. Ils ont commencé sur le hardware que plus tard. Ouais. C'est une boîte, franchement, mais c'était les premières. C'était deux personnes qui l'ont fondée. Et qui ont fini après avec 100 personnes à la fin de leur carrière, quoi. Écoute, on finit jusqu'à 250 personnes même exactement. D'accord. Dans leur effectif. Okay. Parce qu'il faut savoir, après, que l'équipe a été développée, séparée en plusieurs studios de développement. Vous en connaissez sûrement certains. En fait, ça, c'est tous des personnes qui bossaient pour Psygnosis. Et vous avez pu les voir dans Bizarre Création, Réflexion, ouais, ouais. Interactive Studio 33 et ouais. Autres Millennium Interactive. Ouais, ouais. Tous ces développeurs-là, en fait, c'est des gens de Psygnosis. Bien sûr, on les connaît. Ouais. Voilà, en plusieurs filiales. Donc après, on va s'arrêter là après pour Psygnosis. Donc en fait. Donc du coup, Psygnosis a eu une fin de carrière en 1999. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Sur l'ère de la PS1. Tout à fait. Voilà. Ils ont fini par se faire absorber par PlayStation et SCE en 1999. Pour déficit ou d'autres raisons, enfin je ne sais plus exactement lesquelles. Et donc pour ça, on a fait une sélection donc, de 5 jeux qui ont été développés par Psygnosis sur la Mega Drive. À l'époque de la Mega Drive, tout à fait. Donc 5 jeux. Et certains sont des jeux qui ont été sortis sur Amiga, qui sont juste des portages. Tout à fait. Voilà. Et ben on va commencer sans plus tarder par le premier. Donc le Psygnosis, vraiment un studio, mais vraiment magique. Et alors là, le premier, je sais pas si tu connais celui-ci. Alors, c'est Shadow of the Beast, donc un jeu donc tiré des micro-ordinateurs. Exactement. Voilà. Alors celui-là, c'est un portage, je crois, aussi. Donc c'est un portage. Un portage qui est plutôt bien réussi. Ah, non, il est assez fidèle à l'œuvre originale. Ah oui, complètement, les graphismes sont superbes. Faut savoir, j'ai oublié de le dire, mais là j'en profite, parce que Psygnosis, à la base, c'est une société développée par deux personnes, qui a vu le jour grâce à deux personnes, mais ils avaient une équipe de graphistes vraiment spécialisés. Tu vois, ils avaient parmi les meilleurs graphistes du monde, mon cher Stick. Franchement, il faut que tu le saches. Ils avaient 4 ou 5 designers qui faisaient une beauté graphique, mais hallucinante sur chacun de leurs jeux. Et ils ont été mis à contribution pour la première fois dans Shadow of the Beast. D'ailleurs, un jeu qui est quand même assez beau. Et ben justement, grâce à cette équipe designer, ils avaient toujours des jeux vraiment magnifiques. Les décors sont quand même assez beaux, assez bien détaillés. Hein, ah oui, complètement. Ils avaient probablement été en arcade, je sais plus, en tout cas, il a un côté très arcade dans la mesure où on peut le finir en 20-30 minutes quand on le connaît pas. Enfin, quand on connaît très bien, je veux dire. Avis aux amateurs, Zach Retro Gaming, respect à toi de l'avoir fini en moins de 20 minutes. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Petit coucou. Et donc, c'est un des premiers jeux Psygnosis sur Mega Drive sorti en 1990. Voilà. Donc là, on a la version complète, tu peux l'ouvrir, tu peux le montrer. Hein. Ouais. Bah, du coup, donc c'est un jeu, tu peux expliquer un peu le délire t'incarnes une créature du coup? On incarne un humain qui peut se transformer en créature, voilà. Je crois. Et on avance, on expose tout ce qui se passe à l'écran, il y a pas mal de boss, pas mal d'armes qui vont plus ou moins faciliter notre progression. Et un truc qu'il faut insister, parce que Psygnosis... Il y a aussi des phases en shoot 'em up, je te coupe vite fait, il y a aussi des phases en shoot 'em up. Tout à fait. Où t'es carrément avec un jetpack. C'est ça. Et tu tires avec l'arme en question. Donc, effectivement, il y a des phases shoot 'em up. Une sorte de fusil, quoi. C'est franchement énorme. Et rouvre la boîte parce que je voulais montrer un truc. À nos chers concitoyens visualiteurs fans de Mega Drive devant l'éternel. Il faut savoir que Psygnosis était édité par pas mal d'éditeurs différents, Sega, dont là, et là cette fois-ci c'est Electronic Arts. Vous voyez donc ils développaient pour pas mal
deux consoles et d'un éditeur différent. On reconnaît avec le format de cartouche, hein, les cartes, on les reconnaît comme c'est ça. C'est pas le cas de tous les jeux Psygnosis. Hein. Certains sont édités par donc celui-là il est par Electronic Arts. Mm. Bah que dire, hein, c'est un jeu stable. Hein. Un jeu assez dur quand même. Il y a beaucoup assez de. Difficile. Il faut le connaître. Hein. Ouais, il est très délicat, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de. Ouais, beaucoup de. Bah en fait. Et comme d'habitude, il faut avoir la bonne arme au bon moment, donc il faut un peu de logique, beaucoup de logique à avoir. Voilà. Et il se bat aussi à main nue. Il peut se battre à main nue, mais c'est pas la meilleure façon de finir le jeu. C'est ça. Donc on va retrouver quelques boss, quand même assez sympa. Hein, avec des regarder designs, la jaquette. Hein. Voilà, avec des designs assez magnifique. Non, franchement, au niveau. L'ambiance, les musiques sont sympas. Les musiques sont pas mal. Un peu dark, donc bah ça correspond très bien à l'œuvre. Hein. Que le jeu, quand même, est assez dark. Hein. Très dark, ouais. C'est vrai. Une ambiance gothique un peu sombre avec pas mal de monstres et une ambiance zombifiante avec vraiment des sprites assez énormes aussi pour certains boss. Ouais, exact. Et qui rappelleront certaines créatures de vos films préférés. Hein. Voilà. Donc, ça c'était le premier jeu Shadow of the Beast. Pas très cher, tu vois. J'ai réussi à le trouver complet à 20 balles, donc peut-être à 30 euros aujourd'hui, 30-40. Ouais. Donc, on va pas parler de prix, on va pas parler de prix, mais en tout cas. Pour commencer Psygnosis, voilà. C'est un jeu accessible. Bon, je te laisse prendre le deuxième. Le deuxième, alors c'est une saga légendaire que tout le monde connaît. Il s'agit de nos petits abrutis préférés qui s'appellent les Lemmings. Alors Lemmings. Alors du coup, bah, le principe, on vous le rappelle, vous dirigez une équipe qui ont un nombre d'actions prédéfinies à faire. Et avec le nombre d'actions, chacun peut faire alors soit creuser, soit se balancer en parachute, enfin bref, soit un nombre d'actions. Donner aussi une direction à ces Lemmings. Exactement, et faut les passage en fait en gros. Voilà, en gros on a une petite équipe à la con qu'il faut diriger jusqu'à la porte de sortie. Mmh. Et on a plein de pièges au milieu. Et chaque piège doit être résolu par un Lemmings en particulier avec un nombre d'actions prédéfini à donc faire. Le but c'est de conduire les Lemmings à la tous sortie. Tous les Lemmings à la porte. Sachant voilà. Qu'il y en a 100. En tout cas, un nombre. Il y en a 100. En fait, ça dépend les stages. Au début, t'as un nombre de Lemmings minimum à mettre, mais plus t'avances dans le jeu, plus à la fin, faut tous les mettre, ça devient dur. À la fin, t'as vraiment des stages, donc soit en scrolling 2D, et où t'es obligé d'avoir jusqu'au dernier Lemmings, t'as le nombre d'actions pile poil à faire. Ouais, c'est ça. Et, donc c'est un jeu de réflexion. Allez, un jeu de réflexion, on portage Amiga, génial. Hein. Lemmings, à la base, je crois que c'est un portage Amiga aussi. Ouais. Superbe! Donc c'est un sorte de point and click, on va dire. Parce ouais, que c'est t'as ça. Une cible en fait qui permet de sélectionner. Je me demande s'il a pas été sorti sur Macintosh aussi, celui-ci aussi. Ça hein. Se peut, ça ou se Commodore. Peut. Vraiment, il y avait eu beaucoup de. Vous vérifierez, hein, je vous le dis. Mais il y a eu beaucoup de supports comme ça qui ont eu l'occasion de jouer. Graphiquement, c'est quand même très minimaliste. Pas tant que ça, le level design est magnifique. Oui, le level design est sympa, mais c'est quand même minimaliste. Voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est ça. Moi, pour un jeu point and click, je le trouve franchement dans les plus beaux du jeu. C'est mon point de vue. C'est pas grandiose non plus, hein. C'est pas du méga Psygnosis, mais là on a quand même, regarde. Et puis on sent aussi au niveau de la bande son, c'est derrière, micro-ordinateur. Bon, la bande son elle est sympa, mais il y a pas mal de thèmes que vous pourrez trouver dans les comptines ou les thèmes de Noël. C'est des trucs à la de nous les thunes. Il y a beaucoup de clins d'œil de l'OST de ce Lemmings. Donc, très bon jeu sorti en 92, je crois. C'est ça. Sur Sega Mega Drive, donc en 92. Donc, ça c'est du très bon, les copains. Voilà, pas trop cher encore une fois. Faites-vous plaisir avec ce Lemmings, par contre, il va vous rendre fou. Hein. Avant de passer au produit suivant, faut savoir que Lemmings il peut te faire la nuit blanche comme t'as jamais vu ta vie. Hein. Le principe est tellement prenant. Bref. Voilà. Allez, troisième jeu. Alors, les légendes de Galahad. Alors, celui-là, il est génial. Alors, ça, c'est un platformer action. Oui. Jeu de plateforme. Donc, pareil, très micro-ordinateur. Alors, celui-là, c'est sûr qu'il est adapté de l'Amiga. Alors, pour le coup, là, j'étais pas sur les deux autres. Mmh. Celui-là, c'est certain. Ouais. C'est un portage, clairement. Hein. Magnifique. Ce jeu est superbe, graphiquement, ouais. Les sprites RPG aussi. Les sprites sont énormes. Oui, super bien détaillés. Ouais. Les couleurs, la palette de couleurs de la console est super bien exploitée. Ouais. Il y a des décors assez sympas, même si la plupart du temps c'est quand même assez redondant au niveau des décors. Mais il y en a quand même qui sortent du lot. On retrouve pas mal de choses d'un décor à l'autre. C'est vrai que ça peut manquer de variété. Par contre, ils sont rattrapés au niveau des couleurs, du level design. Ils sont rattrapés aussi au niveau c'est marrant parce que tu parles de la de variété couleurs. Dans les niveaux. Tu parles de couleurs, il y a la couleur pastel violette qui revient assez souvent dans le jeu. Ah, je suis pas allé assez loin pour te le dire, pour l'instant je suis à peu près un petit tiers. Du coup, il doit compter une trentaine de stages, hein, Galahad. Hein. Voilà. Du coup, c'est une sorte d'RPG, tu peux améliorer ton arme, enfin acheter des armes, ou même carrément améliorer ton armure. Tout à fait. Parce que t'as un shop en fait, qui traîne souvent dans le stage en fait, un magasin.
avec une vendeuse qui permet donc de, c'est ça, de vendre des armes, des équipements. Tout à fait, et je voulais parler du système de Warp Zone, mes souvenirs sont plus très clairs, mais il me semble qu'on peut passer d'un niveau à un autre supérieur plus tard. Ouais. Et du coup, en fait, ça, je trouve ça vraiment excellent, parce que, en fait, en fonction de la façon dont tu fais le jeu, tu peux aller plus ou moins vite. Et les links, c'est pareil, on peut passer du stage 2 au stage 9, en fonction de la façon dont tu résous les énigmes. Il y a plusieurs endroits en fait, tu vois. Musique très sympa. La musique du premier stage, c'est une de mes préférées. La mention est sympa. C'est une de mes préférées. Donc tout à l'heure, on a oublié de vous dire, mais le Lemmings était édité par Sega cette fois-ci. Donc une cartouche Sega. Mmh. Là, on a de nouveau affaire à Electronic Arts. Mmh. Et on regarde le livret, montre-nous à tous ce qui se passe. Voilà. Et bah, même s'il est en noir et blanc, je le trouve vraiment excellent parce qu'il est un peu plus gros que d'habitude, plus détaillé, tu vois. Mmh. Donc vraiment, c'est toujours des gros pavés quoi, qui nous font les Electronic Arts à l'époque. Bah, gros pavés de notice quoi, il y a quoi lire. C'est le travail de Psygnosis, c'est édité par Electronic Arts. Ouais. Mais tu vois, cette notice rectangulaire, permets-moi de la montrer plus en détail, c'est pas si courant, tu vois. C'est vraiment pas si courant, et on peut inscrire ses scores, etc. Bon, bref, Galahad, une valeur sûre. C'est un de mes meilleurs jeux d'action plateforme préférés, enfin c'est un des meilleurs jeux d'action plateforme que j'ai jamais fait, c'est un de mes jeux d'action plateforme préférés. Vraiment excellent, pas trop cher, à se faire plaisir Galahad aussi. De toute façon, la plupart des jeux Psygnosis sur Sega, faut savoir, ils goûtent pas trop une blinde, hein, donc faites-moi plaisir. Voilà. Le quatrième, Wiz and Liz. Alors lui, je le connais pas, je veux pas en parler. Et bah, Wiz and Liz, c'est un jeu où on va se accorder deux sorciers, un sorcier et une sorcière, et en fait, tous les niveaux ont chacun un but particulier. Récupérer toutes les lettres dans un, tous les chiffres dans l'autre, aller plus vite à un point A, point B. C'est un multistage un peu à Lemmings, mais d'une façon différente. Mm-hmm. Il est sorti donc, on a oublié de dire pour Galahad, c'était 93 aussi, je crois. Hein. Ouais. Et là, le 92. Et là, 92, et là on arrive au 93 avec ce Wiz and Liz. Il est vraiment génial, on peut y jouer à deux. Et franchement, les graphismes sont sublimes. Édité par Sega, il y a vraiment énormément de challenges différents. C'est le genre de jeu où vous avez 50 stages à faire le plus vite possible. C'est un jeu pour speedrunner en fait. Ah d'accord, ok. On s'amuse bien vraiment, hein. Beaucoup de challenges et. Beaucoup de thèmes différents, c'est les graphismes sont très colorés. C'est un jeu à scoring. Plus ou moins, pas vraiment à scoring, mais à résoudre l'objectif le plus ou moins le plus vite possible. T'as toujours un timer de toute façon. D'accord. T'as toujours un temps, et tu peux récupérer même du temps dans les stages pour avoir plus de chances de le finir. D'accord. Donc vraiment, alors ça, moi je trouve ça vraiment génial parce qu'aujourd'hui ça se fait plus. Je vous conseille de l'essayer. Et surtout, vous me dites ce que vous en pensez parce que graphiquement, c'est un des plus beaux de la console, sorti en 93. D'accord. On va enchaîner maintenant avec le plus gros morceau, le dernier jeu de cette sélection. Voilà, et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Parce que bon, il a fait quand même parler de lui. Le Wiz & Liz était complet encore une fois. Je vous montre la cartouche éditée par Sega. Donc pas par Electronic Arts, hein, cette fois-ci. Le prochain est édité par Sega aussi, mais c'est le gros morceau. Donc il a fait parler de lui à l'époque, hein, quand même. Ah ouais, qui a quand même fait parler de lui au niveau de la. Donc, je sais pas si on va le voir, mais c'est le Flink. De toute façon, je mettrai une petite photo, une petite miniature. Donc le Flink, un très beau jeu de plateforme, action. Probablement un des plus beaux jeux 16 bits jamais sortis. Premier jeu qui exploitait à fond la palette de 512 couleurs de la Mega Drive. Le premier, voire le seul. C'est vrai que c'est quand même une sacrée claque. Hein, sur les 64 couleurs affichables et les 512 de la Mega Drive possibles, c'est le premier qui exploitait les 16 palettes de 64 couleurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce jeu est bourré de détails. Ah non mais incroyable. Incroyable. Flink, une réalisation démentielle. Que ce soit les personnages. Les décors au premier plan ou au second plan, même les boss, franchement c'est vraiment une tuerie les gars, ce jeu-là. C'est à partir de ce jeu-là qu'on voit que les artistes de Flink, les artistes de Psygnosis... C'est là que tu vois qu'ils avaient une patte Vraiment, voilà, très violente, et surtout ils étaient capables de créer des sprites, mais d'une beauté, d'une finesse. Mais on reconnaît les jeux Psygnosis, on peut même retrouver des ennemis d'un jeu à l'autre, designés un peu de la même manière, tu vois. Et du coup le but dans Flink... Qu'est-ce que ça va être? Ça va être de trouver pas mal de potions magiques qu'on va mélanger ensemble pour pouvoir avancer dans le niveau, parce que certaines potions nous donneront accès à des endroits dans le stage qu'on pourra pas avoir accès autrement. Il y a des ennemis, il y a de la plateforme, il y a trois mondes à explorer. Je sais plus s'il y a des passwords, je l'ai pas encore terminé. Mais il est vraiment génial, c'est probablement un des plus beaux jeux 16 bits jamais sorti, je vous le répète. L'animation est cool, je vous conseille de switcher votre console parce qu'en 60Hz, il prend toute sa dimension. En 50Hz, il est cool, on en a pas parlé des jeux switchables ou non.
Celui-là, je sais qu'il est beaucoup mieux en 60 Hz, ce Flink. Hein. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la bonne case. Après, c'est un jeu petit coucou à Pierre. C'est un jeu qui est pas compliqué en plus en soi. Pas tant que ça, il faut trouver les bonnes potions, il faut faire les bonnes associations. Il est peut-être un peu long au niveau de la durée de vie. Il est long quand même. Mais il est très agréable. Ouais, beaucoup de recherches. Et on retrouvera ça dans d'autres jeux par la suite, dans Psygnosis, avec les studios de développement sur PlayStation. Enfin en tout cas. Je crois que c'est quasiment des derniers jeux sortis sur Mega Drive. Ça tire de la saga Lomax. Je sais pas si tu connais Lomax. Ah non, mais je connais le jeu, j'ai vu. Voilà. Je savais pas que c'était ça. Ça vient de la même franchise en fait. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était ça pour la petite sélection de 5 jeux Mega Drive. Vraiment indispensable, Psygnosis. Sachant qu'ils en ont sorti à peu près 13 sur la bécane. Voilà, donc alors vous avez le Wiz & Liz, on les met dans le désordre, on s'en fout. Le Legend of Galad, absolument à faire. Les Migs, pour ceux qui ont pas envie de dormir de la nuit. Shadow of the Beast pour les fans d'arcade, etc. Et Flink pour les jeux de plateforme. Voilà une belle sélection, quoi. On vous les repose là. Du coup, faut savoir après qu'une fois qu'ils ont été absorbés par SCE, ils ont produit sur pas mal de consoles, mais on n'avait plus le logo Psygnosis sur. On l'avait. Qui est la chouette d'ailleurs. Qui est la chouette, voilà. Alors attendez, ce serait bien qu'on vous la montre. Si allez, là. On trouve un jeu avec la chouette, ce serait pas mal. Non, là. De toute façon, je mettrai pareil une miniature, on verra pas, mais. Ouais, tu montreras le logo de la miniature, mais là. Ouais, on le voit un peu mieux, voilà, je me rapproche. Vous voyez sur la tranche, on peut voir la chouette, c'est le logo de Psygnosis. Voilà. Donc, franchement, c'est un super éditeur qui fait les choses avec talent et qualité et créativité. Il y a aucun des jeux, là, vous voyez, qui ressemble à l'autre. Seuls certains ennemis, certains patterns graphiques ou sonores vous rappelleront les jeux en question. Donc, un peu un style en soi. Mais tous les styles sont différents. Là, vous avez du plateforme réflexion rapide, un peu speedrunner. Bah, y a quand même action RPG, arcade. Action plateforme, il y en a deux. Ouais. Deux actions plateforme, voilà. Mais même ces deux actions plateforme un peu différents. Celui-là, c'est recherche, plateforme RPG, bref. Faut savoir qu'ils sont sortis 13 jeux sur la bécane, officiels, je crois. Et 6 ou 7 qui sont jamais sortis, mais qui ont été prototypes quasiment complets. D'accord. Donc, je vous invite à les découvrir vous-même. Ok. Il y a notamment, je peux vous donner un indice, je peux vous en au moins vous en citer un. Il y a un Prince of Persia 2 en prototype presque à 100% sur Mega Drive normalement. Ok, c'est bon ça. Génial, superbe. Et donc tu peux le tester? Eh bah, faudrait le tester si c'est possible sur PC. À mon avis, c'est pas possible sur console. Peut-être une cartouche existe, mais voilà. Éditeur, je vous recommande. Hein, ils sont aussi l'auteur de Destruction Derby, Wipeout, pour ne citer que. C'était quand même les premiers à fournir des jeux sur PS1. Ça a été le premier éditeur. Éditeur, développeur. Surtout développeur. Sur PC. Non. Presque. Non, je crois qu'ils n'éditaient pas. Ils étaient exclusivement développeurs. Ils ont participé aussi à Mickey Mania sur Mega Drive. Faut le savoir qu'il y avait 3 équipes de développement pour faire ce jeu, notamment des gens de Psygnosis. Donc maintenant, Psygnosis, vous les verrez qu'à travers les noms de leur société, mais vous verrez plus le logo Psygnosis, malheureusement. Par contre, les personnes qui ont créé ces jeux. Beaucoup d'entre elles sont encore en vie et ont peut-être créé vos jeux préférés. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, à nous faire part de vos commentaires. Merci quoi, franchement, super. On sent ton amour pour ce développeur. Ah, je découvre tout juste le Psygnosis sur Mega Drive. Ça déblate là, vraiment. Non mais c'est génial, franchement, Psygnosis, je pensais pas que j'avais sorti autant de bons jeux. On sent que... Je peux citer sur Mega Drive aussi Second Samurai, les Ninja Kids. C'est le film, Ninja Kids. Les 3 ninjas, c'est aussi eux. Shadow of the Beast 2, 3, bref, ils ont vraiment fait une flopée de jeux, c'est pour ça que je suis autant sur le cul. Bah en tout cas, James, merci hein, pour toutes ces informations. Hein. Bah t'es bienvenu hein, pour une prochaine vidéo, pour un format identique sur d'autres développeurs si t'es... Eh bah on pourra trouver d'autres développeurs avec plaisir, j'espère que ça vous a plu les photos. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours hein, sur ce... Et nous apporter des informations qu'on aurait peut-être omises ou quoi. Bien sûr, bien sûr. On est toujours là pour s'informer. N'oubliez pas le petit like de soutien. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur le stick de geek. Sautez sur le stick de geek. Ciao.